Comment, elle a fait une petite blague en partant? Ouais, elle me le fait souvent ça. Elle manque de force, donc elle part un peu la fatigue et elle se laisse aller. Une deux ans qualifiée dans l'écurie Lévesque, c'est pas tous les jours à cette période de l'année. À cette période là, juillet, ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas eu une. Premier de l'écurie Lévesque. Bah parce que c'est la mienne et je m'en suis un peu plus occupé. Elle a plus travaillé que les autres, on va dire. C'est une pouliche qui va débuter quand et à ton avis, quel est son potentiel? Elle va débuter sur l'herbe. J'ai envie de la courir sur l'herbe, donc on va la courir assez vite. Mais c'est une jument qui manque de force et on va pas trop la courir cette année. Alors on va la revoir quand? Tu as déjà une idée de son programme pour la suite des événements? Ouais, j'aimerais bien la débuter à 40 ans, c'est à côté de chez nous. Donc on aime bien aller courir là-bas, mais pour lui apprendre à courir, il faut qu'elle apprenne à courir. Eddie, c'est une bonne love you qu'on a vue aujourd'hui? Ouais, je pense que vous avez vu une bonne pouliche. Ouais. Je l'avais emmenée il y a 15 jours ici à passer pour y apprendre un petit peu comment c'était dans le peloton parce que c'est une jument un petit peu nerveuse. Et là aujourd'hui, au kilomètre, j'ai envoyé. Moi, super, je pouvais aller plus vite. Elle a eu un passage de classe là? Ah ouais, parce que je suis parti gentiment pour pas la brusquer. Puis après, dès que j'ai envoyé, mais il n'y avait personne pour finir. Dans l'essai, est-ce que c'est ce que t'as de mieux ou fais peur un petit peu à tes adversaires? Ah, je veux pas faire peur à mes adversaires, mais ça fait une douzaine là que je qualifie. Je crois que je suis pas mal dans l'essai. Celle-là fait partie des bonnes femelles. Cédric, le chrono est intéressant, le style aussi? Bah ouais, très bien, surtout que c'est la première fois qu'il sort. Elle a jamais été sur un hippodrome, donc j'étais à la corde tout le temps. Et puis quand elle a vu le jour, elle l'a fait facile. C'est une pouliche qui est estimée dans l'écurie? Ouais, assez estimée, mais on n'a pas trop travaillé, elle fait ça sur sa classe. On va l'avoir débuté quand? Bon, je sais pas, faudra demander à Louis. Mais elle est faite en précoce. Elle est faite en précoce. Stéphane Capox, c'est un poulain qui vient de se qualifier avec la manière. Ouais, apparemment, il était pas mal. C'était un bon petit poulain, un opus d'Herville. La mère, elle a fait Adélia, c'est le frère d'Adélia de Mélodie, qui est une jument honnête. C'est un poulain, je pense, qui a de l'avenir. Pourquoi tu n'étais pas sans sulky? Parce que j'ai profité de trotter des lots vite fait à la maison avant de venir. On peut pas être partout. J'ai trotté Anisa de Tilou, la bonne petite jument qui vient de gagner avec Franck Ouvry à Vichy, qui vient de gagner à Graignes. On la prépare pour une belle course à Cabourg, donc voilà, j'ai privilégié de trotter un lot avant de partir. Et puis mes gars commencent à passer les qualifs. Dans cette génération d'essais, t'es armé? C'est pas mal. On commence à avoir on a déjà qualifié 6 là, il y a 15 jours, 3 semaines même, des bons petits poulains. Aujourd'hui, on va en qualifier sûrement encore 6. On va avoir une bonne douzaine de ces honnêtes. Ce Capoc, justement, dans tous ces poulains que tu qualifies, il se situe où?
pas précoce. Donc ça sera plutôt un cheval qu'on va voir l'année prochaine à 3 ans. Antoine, pendant que le patron est à Vichy, eh bien, toi tu qualifies les poulains. Bah oui, on essaye, du moins. Et bah c'est bien fait, en tout cas il le fait avec la manière. Ouais, ouais, c'est une pouliche qui trotte, elle a pas beaucoup de travail, mais vu qu'elle a pas trop de gras, elle se prépare assez vite. Mais non, c'est sympa. Et dans la ligne droite, il y a eu un petit mano à mano avec un rival, elle s'est montrée tenace. Ouais, non, elle va jusqu'au bout et tout, non, c'est correct. Dans l'écurie, c'est une pouliche qui est estimée. Estimée dans les femelles, oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Après, il y a des mâles qui se sont un peu mieux qualifiés, mais elle, vu qu'elle n'a pas beaucoup de travail, c'est bon signe. Petite pouliche intéressante. Bah voilà, première fois, issue d'une bonne famille, donc c'est toujours intéressant à voir, mais elle a été sérieuse. Et en face, c'est allé vite. Voilà, j'avais un bon dos, puis après il a molli, donc tu es obligé de faire un gros contour comme en course, et elle a bien progressé à ce moment-là. Ouais. Bon, on sait que l'essai c'est ta spécialité, les deux ans c'est ta spécialité. Celle-là, elle situe où? Elle va pas courir cette année parce qu'elle n'est pas assez rapide. Par contre, ce sera une jument de 3 ans honnête, quoi. Je commence par combien, je te dérange pas. Erwan, tes sensations au sulky? Quelle sensation, comme si j'avais gagné une course à Paris. Non, pas mal, pouliche qui trotte. Ouais, elle est très gentille, très brave. C'est ça qu'elle a pour elle. Après, il faudrait qu'elle ait de la tenue, mais brave, prenne un peu de vitesse, non. Tout ce qu'il faut pour débuter de bonne heure. Allez, après le driver, l'entraîneur. Gilles, dis-nous tout sur cette pouliche. Bon, c'est une pouliche qui est arrivée tardivement à la maison. Hein, voilà, un petit côté pratique, un bon petit jeu de pattes. Hein, après, il faut voir, quoi. Dans tes pouliches, tu l'estimes comment celle-là? À démarrer de bonne heure. On se donne rendez-vous demain, nous? Voilà, à demain. Franck, elle le fait avec la manière? Ah ouais, bon dernier kilomètre et puis une jument qui a bien dans la tenue, bien dans la vitesse, c'est bien. Ouais. Pareil, point de comparaison par rapport aux autres que tu as pu qualifier, que tu as à l'entraînement? Celle-là, je vais peut-être la garder quand même parce qu'elle a de la tenue et puis elle fait ça toute seule. Donc je vais peut-être la garder pour l'automne.